Bonjour. Certains jours, quand la journée commence, on met très bien la tête dans un blender comme ça. Parce qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Mon Dieu, que c'est difficile. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro Grand Quartier Tendance on TV. C'est justement de votre tonus, de votre énergie dont nous allons parler dans cette émission. Alors pourquoi faut-il absolument retrouver la pêche? Pourquoi faut-il avoir du tonus? Pourquoi faut-il avoir la banane? On dit souvent qu'il faut avoir l'air jeune. Avoir l'air en bonne santé, c'est aussi très vraiment indispensable. Pourquoi? Mais parce qu'on est quand même dans la jungle. Hein, et vous aurez remarqué que dans 30 mots, quand il y en a un qui est un peu en faiblesse, eh ben, il se fait dévorer par les autres. C'est pour ça que dans notre société, on essaie de garder bonne mine et qu'on aime bien afficher une meilleure mine. Dans cette émission, on verra que tout ça dépendant de ce que l'on fait, de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, bien sûr, et aussi de ce que l'on se fait. Et j'ai en face de moi le fil rouge de cette émission, Corinne Lafranche, praticien Shiatsu à Saint-Grégoire. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous. Alors, on a l'impression, quand on ne connaît pas ce que vous faites, que c'est un massage, mais vous, vous dites attention, nuance. On va expliquer en quelques mots ce que ça signifie. Ah, effectivement, je suis praticien de Shiatsu. Ça n'est pas un massage. Le massage est réservé aux masseurs kinésithérapeutes. Un but thérapeutique qu'aucune technique manuelle ne peut avoir en dehors de ce métier-là. D'accord. Et puis, en plus, le massage donne l'impression d'un geste qui glisse comme ça sur la peau, ce que vous ne faites pas, là. Alors, le shiatsu, justement, consiste en pression modulée, étirement doux sur l'ensemble du corps. Donc là, vous voyez une version simplifiée du shiatsu qui est très adaptée à l'événementiel et en entreprise, où on travaille essentiellement le dos, les bras et les mains. Mais le shiatsu a pour vocation de se travailler sur tapis, de la tête aux pieds, sur des séances d'une heure, une heure et quart. Donc ce sont des séances qui permettent de retrouver une certaine forme de vitalité ou c'est pour se décontracter? Parce que dans cette thématique un peu particulière, on s'est dit que ça irait bien, le shiatsu. Alors effectivement, le shiatsu est basé sur la médecine chinoise. Donc on est sur les énergies, on travaille sur les méridiens d'acupuncture. Ça apporte ce dont les gens ont besoin, en fait, puisque comme on travaille sur l'ensemble des méridiens, on arrive à lever des blocages énergétiques et que la personne ait des problèmes de sommeil, de stress, de mauvaise digestion, de fatigue, elle va aller chercher dans mon geste, dans l'assouplissement que je lui ai apporté, dans les barrages que je vais lever, elle va aller chercher juste ce qu'il lui faut. Donc, à la rigueur, si quelqu'un ne veut pas me dire pourquoi il vient me voir, je le questionnerai pour des questions de contre-indication, d'hypertension non soignée, de cancer, etc. Mais en règle générale, même si elle ne me dit rien, elle aura ce pourquoi elle est venue, même si moi, je ne suis pas au courant. C'est ce qu'on va vérifier. Parce que Delphine, qu'on remercie, nous dira tout à l'heure, à la fin de cette émission, comment elle a vécu cette séance de shiatsu. Merci Corinne, on vous laisse travailler, on va vous observer. Il y a du public pour assister à cette émission et on va voir comment ça se passe, cette séance. Alors, qui dit tonus, bien-être et autres, dit souvent reprise d'une activité physique. Et on entend par ça souvent le sport. Et face à moi, Sarah Assier, qui est coach sportif. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il y a à vos côtés quelqu'un qu'on rencontrera tout à l'heure, qui est extrêmement fondamental. On a dit qu'il y aurait un volet alimentation. Ben voilà, les cuisiniers aussi nous diront à quel point ce qu'on met dans l'assiette, c'est important. Alors, Sarah, vous qui êtes coach sportif, vous avez, je l'imagine, beaucoup de gens qui viennent vous voir parce qu'ils peuvent être au bout du rouleau, ou au contraire, ceux qui veulent garder la forme. Voilà, on a différents types d'adhérents, c'est-à-dire des gens qui ont envie de reprendre une activité physique parce qu'ils se rendent compte dans leur vie de tous les jours qu'ils ont moins de force, qu'ils ont des pathologies au niveau du dos, qu'ils ont moins de souffle, et des gens qui veulent entretenir leur capital forme. Alors le problème, c'est que souvent, quand on a une perte de tonus, on se dit « Non, le sport, non. Non, pas cette année, non. Non, là, pas ce mois-ci. Tiens, je ferai ça une autre fois. » Et finalement, c'est l'erreur. Ouais, on faut se mettre un coup de pied aux fesses. Voilà, exactement. C'est-à-dire que souvent, on se dit « Si je reprends maintenant, ça ne va pas être possible. » Alors, ce qui est faux, c'est qu'il y a plein d'activités physiques. Le fait de jardiner, le fait d'aller au travail en marchant ou de faire du vélo, par exemple, c'est une activité physique qui va travailler votre souffle et votre force. Et après, vous avez des activités dans des associations sportives ou des centres de remise en forme avec des activités adaptées à chacun, en fait. Au bout de combien de temps on considère que le sport a commencé à se faire sentir, enfin que l'activité... Alors, le souci, c'est que les deux premières semaines, souvent, on a une sensation de fatigue. Oui. Mais c'est normal, puisqu'en fait, le corps réapprend à bouger. Et dès la troisième semaine, au niveau de la respiration, au niveau de la forme d'énergie, on retrouve du dynamisme, voilà, de la vitalité. Voilà, donc il faut être un tout petit peu patient. Alors, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. On va commencer par regarder ensemble ce premier reportage. D'accord. Parce que la tenue vestimentaire, ça compte aussi, il faut pouvoir bouger. Comment ça se manifeste dans les vêtements? On le regarde.
Que celui ou celle qui n'a jamais eu de petits coups de mou me jette la première pierre. C'est bien souvent à l'automne qu'une baisse d'énergie se fait sentir. Il est donc primordial de ne pas se laisser gagner par la morosité. Pour cela, rien de tel que des couleurs vitaminées et des vêtements amples. Ça tombe bien, cet automne, la tendance est aux vêtements faciles à bouger. Et c'est vrai que le tenue s'amène au mouvement, mouvement d'autant plus facilité dans des matières douces et des coupes fluides. Priorité donc aux teintes gaies, aux motifs clin d'œil, plein d'humour et de fantaisie pour susciter le sourire chez ceux qui nous entourent et éventuellement nous le donner aussi. Dans la tendance énergie, on flirte avec le sportswear, pour la superposition des vêtements notamment. Avec une exception pour les pieds, bien à l'abri cet automne, dans des bottines pas trop serrées s'il vous plaît. L'idéal est d'obtenir des contrastes dans les coloris, comme un rythme visuel à l'état d'esprit qu'on veut refléter. L'énergie, tous les sportifs vous le diront, l'essentiel, c'est dans le mental. Commentaire, Sarah Assier. Alors, c'est vrai que par rapport aux tenues, il y a eu beaucoup d'efforts de fait dans les textures, comme par exemple maintenant, vous avez des t-shirts respirants qui permettent de mieux s'adapter à l'effort, et aussi au niveau des chaussures, parce que souvent, pour les impacts, il faut faire attention. Ah oui, parce que nous, on nous dit, quand vous prenez le bus, sortez une station avant. Alors, quand on a des plateformes, vous voyez, on ne peut pas courir avec ça. Non. On n'a pas envie de marcher. Surtout pas conseillé, surtout. Donc ça peut être une première étape. Commencer déjà à se faciliter la vie avec ce qu'on porte. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire, surtout qu'en plus, maintenant, les différents créateurs et marques ont fait des efforts aussi sur le côté un peu flash, un peu fun des tissus. On n'est pas obligé d'être habillé en sac pour faire du sport. Exactement. C'est vrai que maintenant, c'est très tendance. Beaucoup de gens portent des baskets toute la journée qui ne sont pas faits spécialement pour le sport. Mais c'est déjà plus pratique pour courir. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ça permet de réagir. Alors, on va voir également que ça se manifeste dans ce que l'on peut s'apporter comme soin. On va retrouver tout de suite Sylvie et je vous rejoindrai d'ici quelques minutes parce qu'on va parler de soins et alimentation. Sylvie, bonjour et bienvenue à vous. Vous allez attraper un micro, s'il vous plaît. Esthéticienne, bonjour. On va parler avec vous de ces soins qui nous font du bien. On sait que pour retrouver le tonus, l'énergie, il y a pas mal de choses qu'on peut assez facilement trouver en parapharmacie, notamment. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer ? Moi, je connais le gingembre, par exemple, le ginseng. Oui. Quoi d'autre ? Le vitamine C. Oui. Tout ce qui peut donner le cocktail multivitaminé qui peuvent donner beaucoup de tonus. Donc ça se traduit sous plusieurs formes. On a souvent des choses sous forme d'ampoules, oui. Donc de complexes multivitaminés. Oui. Et puis on a aussi pour nos sportifs des choses pour plus la récupération sportive. Qu'est-ce que les personnes privilégient avec les ampoules ou On a de tout. On a vraiment des gammes sportives et puis des gammes plus pour les personnes désirant se rebooster un petit peu ou qu'on ait des rentrées qui démarrent un peu sur les chapeaux de roue. Et alors, on a vu et on le sait, on va retrouver tout à l'heure, enfin d'ici quelques instants, Corinne Lafranche, hein, qui est praticienne shiatsu, mais à propos de massage, est-ce que c'est possible de se procurer ce qu'il faut ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se faire des massages avec des produits très agréables et compétitifs ? Tout à fait. On a des produits, des huiles, notamment de massage, pour retranscrire un petit peu ce qu'on a pu ressentir en institut ou chez un kiné. On essaye de retrouver les bienfaits du massage. Donc, ça se traduit par des huiles. On peut également essayer de retranscrire un milieu avec des huiles essentielles. Recréer un spa, c'est possible chez soi ? C'est possible. Oui. On a des bougies parfumées, des choses à base d'encens. C'est tout à fait possible, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, les personnes qui viennent vous voir seraient plutôt filles, garçons, ou il y a vraiment tout le monde qui veut avoir bonne mine ? Des couples aussi. Les couples simplement. Aussi ensemble ? Oui. Souvent, on offre un soin à son mari ou à sa femme, un soin en institut. Et c'est vrai, c'est original. Et puis, c'est vrai que on aime retranscrire ça à la maison. Donc, il n'est pas rare que des couples viennent m'acheter toutes sortes d'huiles pour se faire plaisir. On parlait de conseils bonne mine pour ceux qui ont encore les bénéfices de l'été, des vacances, pour conserver bonne mine, à part le maquillage, c'est prendre soin de soi, ce serait le maître mot, non ? Alors, on va passer par des laits d'hydratation, mais aussi pour ceux qui veulent tricher un petit peu, pour prolonger l'effet du bronzage, on a toutes sortes de choses comme les autobronzants. Et ça marche ?
Et ça marche. Et ça marche. C'est peut-être même plus facile quand on a la peau un tout petit peu bronzée de prolonger avec l'auto-bronzant plutôt que quand la peau est toute blanche au départ. Ça donne un petit coup de pouce. Hein, c'est pas mal. Ça prolonge un peu. Ouais. En tout cas, merci Sylvie. Alors, je vous l'ai promis, qu'est-ce que ça donne la séance Shiatsu ? Ben, on va tout de suite retrouver Corinne Lafranche et Delphine qui a accepté de se laisser pratiquer, je ne sais pas s'il faut le dire, devant nous. Alors, c'est une séance qui, on vous a vu démarrer sur le dos. Et là, Corinne, vous êtes en train, avec cette séance Shiatsu, de vous intéresser à des parties du corps qu'on a assez peu l'habitude de toucher de cette façon-là. Effectivement, en Shiatsu, on touche très peu souvent les bras, mais j'ai constaté que souvent les gens avaient besoin de ces pressions parce qu'il y a beaucoup de choses du domaine des émotions qui passent dans les bras. Et au niveau des mains, on se sert de ses mains tout le temps, mais on ne les touche pas, on ne les étire pas, on ne les travaille pas. Donc j'ai intégré les bras dans le Shiatsu sur chaise. Vous n'avez pas le sentiment aussi que notre société, tout particulièrement européenne, a tendance à se toucher assez peu ? Il y a d'autres sociétés dans le monde où on a l'habitude un peu plus de masser l'autre, non ? De toucher l'autre. Alors, on voit beaucoup d'images de massage, mais des gens qui se massent, effectivement, il y en a très peu. Alors, il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis qui permettent aux gens de découvrir tout simplement les sensations de leur corps. Alors, l'idéal, c'est de commencer quand même avec une pratique auprès d'un salon d'esthétique, d'un praticien de shiatsu, de massage californien. Peu importe la technique, il faut trouver le praticien qui convient. Et ensuite, essayer de reproduire ça à la maison. Ça ne remplace pas le geste d'un praticien qui, lui, va aller chercher quelque chose en particulier. Mais je conseille régulièrement à mes clientes ou mes clients les points qu'ils ont trouvés très sensibles, de les travailler. Alors, soit en sortant de la douche, passer un petit peu plus de temps à travailler ces points-là, à les masser, les appuyer dessus, ils se feront forcément du bien et uniquement du bien. Après, on va vous dire qu'il y a un sens, il vaut mieux respecter le matin, le soir. Non, ce qu'il faut, c'est s'écouter, écouter son corps. On ne peut pas se faire de mal. On ne peut pas se faire de mal. C'est ça dont il faut se rappeler. On verra tout à l'heure comment ça se passe pour Delphine. On va aller s'offrir une des choses qui, comment le dirais-je, on dit, ah, moi, ça me fait du bien d'en manger, c'est pour ça que je me précipite, c'est uniquement parce que c'est bon pour ma santé. On va manger du chocolat, allez. Ah oui, là, en plus, ça embaume tout le plateau de télévision et pas seulement. Dans toute cette galerie à Grand Quartier, j'ai l'impression que ceux qui assistent à l'émission sont attirés par ce chocolat. Bernard Jostic, bonjour. Bonjour. Merci d'être là et d'avoir apporté ces quelques bonbons chocolat. Il y a à vos côtés Marie-Françoise. Bonjour à vous aussi. Oui, bonjour. Nous allons parler avec vous du thé d'ici quelques instants. Alors, c'est vrai que l'énergie, ça se conditionne évidemment avec ce que l'on fait pour ça, mais aussi ce que l'on mange et ce que l'on boit. Pour vous, à quoi c'est associé le chocolat ? Parce que souvent, quand on a une perte de morale, on a le réflexe d'aller manger du chocolat. Oui, tout à fait. Mais d'abord, je pense que le chocolat, c'est tout d'abord un plaisir. C'est le plaisir gustatif, le plaisir des saveurs. C'est un moment de bonheur. C'est voilà, ça. Lorsqu'on vient chez vous, vous qui êtes artisan chocolatier, c'est ce que vous entendez. Je me fais un cadeau. Oui, voilà. Je pense. Et puis, quand on se fait un petit cadeau, du coup, on retrouve un peu le peps aussi. Hein, voilà. C'est quand même pas désagréable. Alors, malgré tout, vous savez ce que c'est ? On se méfie. On se dit le chocolat, on en entend beaucoup parler, mais même si on aime ça, on va se méfier. Est-ce que c'est vraiment un aliment coup de fouet ? Le chocolat contient du fer, du magnésium, oui. Donc ça permet de redynamiser un petit peu, ah, tout ouais. à fait. Voilà. Bon, je continue dans les vrais ou faux. Hein. Oui. On dit que c'est bon pour le moral. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est bon pour le moral ? On va pas chanter avec la compagnie créole, mais bon. C'est déjà bon pour le moral, parce que déjà, on se fait plaisir à manger du chocolat. D'accord, mais ça, donc, c'est déjà, vrai. Donc c'est déjà bon pour le moral. Et puis, c'est vrai que ça provoque un petit peu, ça stimule un petit peu les hormones euphorisantes dans le cerveau, mm-hmm. qui permet justement de restimuler un petit peu le moral des gens. Enfin, on dit que ça provoque des caries, c'est vrai ou c'est faux ? Ah, les caries, c'est surtout le sucre qui provoque des caries. Ah bah voilà, voilà. C'est donc, ça. en prenant un chocolat pas trop fort en teneur de sucre et avec un bon pourcentage de cacao, le chocolat n'est pas mauvais pour les dents. Et en plus, le chocolat contient du fluor et du phosphate, donc c'est bon pour les dents.
Manger du chocolat, c'est bon pour les dents. Voilà. J'avoue que les enfants nous diraient ça, on aurait tendance à leur faire « Oui, oui, celui-là, il est bon pour les dents. » Alors, Marie-Françoise, avec vous, on va parler du thé. Le thé est aussi une manière comme une autre hein, de s'apporter un peu de tonus. On démarre parfois la journée comme ça. Vous avez eu la bonne idée de nous apporter ces trois variétés, voilà. trois sortes-là. Oui, nous vous avons apporté donc trois échantillons de thé. Oui. Hein, donc, notamment le thé du matin. Qui est celui-ci. Dans la coupelle rose à le thé noir. Voilà, le strong breakfast, hein, comme son nom l'indique, un thé fort pour démarrer la journée. Après, vous avez le thé vert, donc le Yunnan vert, qui est un thé que l'on peut consommer au cours de la journée. Oui. Et ensuite, vous avez le thé rouge. Mais on dit que ce n'est pas du vrai thé, parce qu'il n'a pas de théine. Il a peu de théine, c'est vrai, mais c'est un thé qui est cultivé en Afrique du Sud. Il y a un parfum incroyable. Voilà. Ça sent toujours très, très bon. Et il est très doux. Hein, et il apporte détente et relaxation. Hein, donc on peut le consommer tout au long de la journée sans problème. Alors les noms d'été sont souvent très amusants, les boîtes sont magnifiques, hein, c'est toujours une sorte de voyage. Oui. Le thé des vieux garçons, on trouve ça chez vous. Voilà, hein, alors thé des vieux garçons, qu'on appelle aussi thé pomme d'amour, hein, qui est à base de pommes caramélisées et de marasquin. Bernard Jossic, je sais que vous faites des bonbons chocolat avec des épices, avec des piments même. Ça se fait de plus en plus. Comment ça se fait alors que ça nous donne du tonus déjà tout seul? Comment ça se fait? Ben, nous, c'est vrai qu'on va faire des bonbons style ganache aux épices. Donc, on va, au moment de la cuisson de notre ganache, on va incorporer justement des épices qu'on va laisser infuser pour donner du parfum à nos ganaches et à nos bonbons pour associer le mariage épices et chocolat. Parce qu'il y a du poivre, du piment d'Espelette, il y a plein de choses. Enfin bon, plein de choses pour faire des coquineries. C'est vraiment extraordinaire. Il faut absolument que je me sauve. Non, parce que là, c'est a l'air trop bon. On va continuer pourtant dans le gustatif. Parce que je sais, Stéphane, que ça vous parle. Hein. Vous êtes cuisinier. Merci de nous avoir rejoints et de participer à cette émission. Bon, ce que vous avez entendu ne vous a pas beaucoup surpris. On va regarder ensemble une recette que vous avez préparée. On vous a dit, chef, ce serait bien que vous nous confectionniez une recette tonus. Vous avez relevé le défi, on va regarder ce que ça donne en images. Tout à fait. C'était quoi cette recette alors? Donc on a essayé de préparer un tartare de saumon vitaminé, en respectant plus ou moins les règles du défi. D'accord. Alors bon, d'abord un tartare c'est cru? Tout à fait, oui, poisson cru. Mm-hmm. Et pourquoi avoir choisi tout le reste qui est là, le pamplemousse par exemple? Eh bien, les agrumes pour les vitamines. Oui. Donc, l'avocat et le kiwi, parce que ce sont l'un des le fruit et le légume les plus riches en calories et les plus bénéfiques en tonus. En vitamines. En vitamines. Ouais. Ça fait des jolies couleurs aussi. C'est pas négligeable hein, cet aspect-là. Je pense que la restauration et le goût du plaisir de manger passent aussi par l'œil. Et comme on voit, quand on a une assiette qui est un peu colorée... Un peu colorée, mais attendez, c'est une véritable palette d'artistes ce qu'on vient de voir. Eh bien, ça passe aussi par ça, le bonheur de manger, et qui nous permet aussi d'avoir du plaisir, de prendre des calories et finalement d'améliorer des vitamines. Alors, bon, on voit hein, souvent le cru, c'est quand même... conseiller lorsqu'on veut retrouver du tonus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une halte sur les plats traditionnels? Parce qu'on se dit, si je veux retrouver du tonus, la choucroute, moyen. Le cassoulet, pas sûr non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane? Moi, je pense que finalement, il ne faut pas non plus négliger le fait de manger aussi du plat traditionnel. À partir du moment où il faut comment manger tous les jours pour avoir des forces. Et les forces, on les retrouve dans tous les plats, dans les plats traditionnels comme dans les plats légers qu'on vient de découvrir. Oui, parce que c'est vrai aussi que dans le cassoulet, il y a des haricots blancs et dedans. On retrouve aussi les féculents, on retrouve les protéines, on retrouve les lipides, on retrouve tout ce qui nous est nécessaire à la vie commune et à la vie nécessaire au quotidien. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, d'ailleurs, Sarah, ce que vient de dire Stéphane, c'est important, varier les plaisirs. Tout à fait. En fait, nous, le conseil premier, c'est surtout manger de tout. Les graisses sont importantes, c'est vrai. Même les graisses. Voilà, on a beaucoup, actuellement, dans les magazines, ce côté régime qui revient, bon, surtout à la belle saison, mais l'important, c'est qu'il faut manger de tout. Les féculents sont très importants, les graisses... Les protéines sont très importantes. Maintenant, il faut manger de façon raisonnable et équilibrée, tout simplement. Bien. Mais profiter. Et puis, bon, c'est vrai que la frustration pour avoir du tonus et de l'énergie, c'est très moyen, hein, Stéphane Viel. Vous aimez pas bien quand on arrive, vous dites, je fais un régime, moi, chef. Moi, j'aime pas trop les gens qui font le régime. Je préfère les gens qui profitent de la vie. Vous avez raison.
Alors, on va retrouver justement dans notre fil rouge, notre séance Shiatsu est terminée. Delphine, comment ça va ? Bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette séance proposée à l'instant par Corinne Lafranche ? Que des bonnes sensations. C'est-à-dire ? Légèreté, on sent qu'elle appuie juste au niveau où on a besoin que ça se libère. Et franchement, je le conseille. C'était la première fois que vous aviez une séance Shiatsu ? Non, la deuxième fois. Ah ah ! Et il y aura une troisième donc ? Je pense, oui. Est-ce que vous avez déjà essayé vous-même de reproduire ces gestes avec une autre personne, puisque vous avez déjà suivi une séance telle que celle-ci ? On peut être tenté d'avoir envie d'en faire autant avec quelqu'un qu'on connaît bien, par exemple ? On est tenté, mais on n'arrivera jamais au mieux que font les professionnels. Moi, je laisse le travail aux professionnels et faut aller les voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réaction, Corinne Lafranche, quand on dit qu'on n'arrivera pas à faire comme vous, c'est clair. Mais en même temps, est-ce que vous encouragez ou non ce que les personnes se lancent ? Encourager le geste, oui. Avec cette force-là, non. Parce qu'on est très près des vertèbres, donc on ne joue pas avec ça. Non, en général, le shiatsu ou les massages qu'on pratique à la maison sont plus doux, plus en surface. Ils peuvent être appuyés, mais vraiment au niveau des muscles et rester au niveau de la peau et surtout pas s'approcher des os, en général. Vous n'avez jamais eu ressenti, vous, que vous étiez un peu en danger ? Vous n'êtes pas dit, oh là là, elle est en train d'approcher une zone, là, ça me fait mal d'habitude, non ? Non, parce qu'on ne sent pas, comme elle le dit, elle dit qu'elle est très près des vertèbres, mais nous, on ne sent pas, hein, il n'y a pas de danger. Nous, on l'a vu travailler sur vous, apparemment apporter des pressions très fortes, jamais de douleur. Non, il n'y a pas de douleur. Non, il n'y a aucune douleur. Vous n'avez pas ressenti de pression trop forte ? On sent les pressions, puisque forcément, moi-même, j'avais une douleur dans le bas du dos. On sent la pression, mais ça libère justement, ça soulage. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être prêtés à cet exercice l'une et l'autre, parce que ce n'est pas facile de travailler en public, ce n'est pas facile d'accepter d'être vu pendant ce genre de séance. On se retrouve évidemment à la fin de l'émission. On va s'évader un petit peu, là. Et oui, parce que retrouver le tonus, ça passe aussi par l'évasion. Alors, il paraît que le meilleur moment du voyage, c'est quand on le prépare. Non, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on raconte. Il y a de plus en plus de possibilités de retrouver la pêche en s'offrant un week-end prolongé, etc. On va avoir des images qui vont nous donner envie de partir. Parce que l'évasion, bah, c'est absolument indispensable pour se changer les idées. Donc il y a des destinations magiques au Maroc, en Turquie, au Portugal, en Tunisie, en Espagne. Où d'ailleurs, on pratique assez souvent des massages à Saracier. Et puis où on pratique aussi un peu plus facilement de sport. Le soleil aussi, on le sait, ça a des vertus sur notre morale, sur notre énergie. Donc c'est vrai que ce sont des destinations auxquelles on pense immédiatement quand on a un petit coup de mou. Voilà, s'évader pour 2, 3, 4 jours, ça peut être quand même sympa. Donc ça fait partie des bonnes idées. Il n'y a pas que les évasions en Méditerranée, il y a aussi un peu plus proche de chez nous. Il y a des possibilités avec des smartbox de s'offrir une vie de château. Et puis la grande tendance, c'est les nuits insolites. Dormir dans les arbres, par exemple, dormir dans une roulotte, dormir dans un bateau. C'est des cadeaux que l'on peut faire à ses amis, mais qu'on peut se faire hein, aussi. C'est pas du tout interdit. Malgré tout, dans ces destinations, Sarah, on peut être amené à faire du sport. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est faut-il être infidèle à son coach sportif ? Bien sûr. La fidélité, donc, de temps en temps, c'est conseillé. Non, pourquoi ? Il faut, bah, vous partez en vacances. Si vous avez la possibilité d'avoir une pratique sportive, donc de la plongée, souvent de l'aquagym en bord de mer, profitez. Ne dites pas, j'y vais pas parce que c'est pas mon coach. Au contraire, chacun va vous apporter aussi quelque chose de particulier. Par contre, c'est vrai que pour une activité plus régulière tout au long de l'année, je vais vous conseiller, moi, vraiment, d'avoir toujours le même coach. Pourquoi ? Parce qu'il vous connaît. Parce qu'il y a une relation de confiance qui va s'installer. Il connaît vos objectifs. Il connaît aussi vos petits soucis de santé sur lesquels il met, bien sûr, un bémol pour ne pas, bien sûr, amplifier les douleurs. Et vraiment, c'est important avec le coach. C'est vraiment cette complicité. C'est un travail ensemble. Il faut combien de temps, en gros ? La moyenne, hein, pour arriver à établir un vrai résultat avec un coach sportif. Lorsqu'on se dit, allez, cette fois-ci, cette année, je me prends en main. C'est avec l'année scolaire, c'est 2 ans, c'est 10 ans. Ah non, non, non. Avec un bon élève et un bon coach, au bout de 3 mois, on a des résultats que nous, on voit, mais surtout notre entourage perçoit.
Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Assier. Merci, Corinne Lafranche. Merci à tous les participants de l'émission. Vous savez, maintenant, c'est traditionnel. Quand le quartier est tendance en TV, ça se termine par la photo de famille. Alors, tout le monde debout. Allez, allez. Delphine aussi, qui se remet tout doucement de sa séance. Venez, c'est ici qu'on va prendre la pause. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. Venez, venez plus près, je vous assure. Là, oui, il ne va pas vous manger. On en profite pour remercier tous ceux qui ont assisté à cette émission. À très bientôt pour un autre numéro de Grand Quartier Tendance en TV. Petit sourire, à très bientôt. Cheese.